Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour la suite des tutos. Alors, la dernière page qu'on a réalisée, elle est là, j'ai pas fermé, c'est pas bien. Je vais juste la refermer pour pas que ça s'abîme. Si je révise dans le trou, ça serait plus ma ficelle. Et donc on va réaliser celle-ci, donc on va réaliser la cascade, tout simplement. Donc elle n'est pas très compliquée, un peu raide ça, je l'ai un peu serrée je crois. Donc allez, c'est parti. Alors on va partir sur notre page de base pour le coup. Celle-ci c'est une simple, elle fait 15,5 par 15,5. Donc hop, je prends un petit repère. Je vais faire là, je vais pas tout couper. Je vais juste pour le dépasser plus parce que je vais utiliser cette grande bande là pour faire la tirette. Donc là, on a notre page de base. Voilà. Et du coup, il nous faut... Je crois que je vais garder ça. Une bonne longueur. Bonne longueur. Donc moi... Voilà. Je vais utiliser celle-ci. Sur cette longueur, alors faut que je prenne un petit voir si je le trouve. On va venir faire une marque à 4. Donc une marque à 4 cm. Et du coup, après une marque 1, 1 et 1. Donc 4, une à 5, une à 6, une à 7. Ensuite ça fait après tous les 1 cm. 3 fois. Voilà. On va venir faire nos petits plis de marquage et il faut que je surveille l'heure, sinon mon pauvre petit lapin il va rester sur le banc à m'attendre. Donc on va gommer. Ils sont marqués comme ceci. Et on a fait les trois quarts du boulot déjà. Donc je vais couper là cette vidéo. Vous ne verrez pas parce que je vais faire le montage après. Mais je vais aller chercher mon bébé à la maternelle. Voilà. Et on se dit à tout de suite. Pour vous ce sera tout de suite. Pour moi ce sera dans un peu plus longtemps. Compréhensif. Et du coup on se retrouve pour terminer le tuto 31. Alors vous, ça fait que quelques secondes, moi la journée est passée au final. Alors on en était là, que je me rappelle bien. Du coup on va faire nos quatre
carte. Et c'est là où nos chutes de papier vont nous servir. Celles qu'on a eues tout au cours de la conception de l'album. Alors, j'avais mis 12,5 par 10. Donc moi, là, j'ai 12,6. Alors autant vous dire que je vais pas m'amuser à recouper 1 mm. Je vais juste... 10, 20. 6. 1. Je vais essayer un peu. Donc on en a déjà deux. Oula. Cinquième. Non. Viens. Ne mange pas trop, tu mangeras pas ce soir. Donc on a nos quatre cartes. Alors, on va faire le fond de notre page. Donc, j'ai quoi en chute de papier concrètement assez grande. Alors, on va utiliser celle-ci. Je ne l'ai pas faite encore. Donc, je vais regarder. Donc, 15-2 comme ça, c'est bon. Je vais me tromper. Hop. Je crois qu'on va plus entendre mes enfants sur cette vidéo que moi, au final. Hop, je place ma page de fond. Et donc, on va prendre notre languette. Donc, là, on a notre grand pli, les autres, vous faites comme ceci, et on va venir couler nos cartes. Alors, la première. Donc, hop, on vient mettre. Alors, je vais m'aligner pour pouvoir
concentrer. Surtout que je sais que ma taquilla va aller super vite à prendre. Hop, au ras de mon pli. Où es-tu? Et on va continuer ainsi de suite à monter. Alors, je vais juste essayer de pas mettre ma tête devant la caméra. Mais d'y voir assez. On va faire l'autre. C'est vrai qu'une fois qu'une est centrée, après deux pages, c'est beaucoup plus pratique. Hein, force. Oh non, je tire un peu fort là. Comment? Voilà, interrompu par un enfant. Je peux me faire ça ici. Maman. Oui, Ethan. Ça, là. Ethan, je suis en train de faire ma vidéo. Oh là là. Je vais finir par y arriver. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez fixé toutes vos pages. Alors on va marquer doucement les plis. Enfin les remarquer. Avec les pages fixées dessus. Il a un peu plus fin la poids. Et donc, quand on est là, donc on va venir placer notre cascade du coup sur notre page de base. Moi, je me centre à peu près, je regarde un peu ce que ça dit. Attendez, je vais rapprocher de mes yeux 100 mètres. En fait, du coup, le blanc sur le blanc, je vois pas très bien si je suis trop loin. Alors, pour fixer cette cascade, c'est très simple. On va venir. Encore un enfant. Oui, Théo. Oui, Théo. Je reviens. Du coup, reprenons. Vous venez mettre sur le bas de votre dernière carte. Proche de votre languette pour tirer, mais pas trop non plus parce que la colle va s'étaler. Pareil de l'autre côté. Parce que si la colle s'étale trop et qu'elle bloque votre languette, ça ne coulissera plus. Et là, rien de plus simple, vous venez vous aligner et vous positionnez votre page. Donc je vais
tirer vers moi juste pour regarder, pour me mettre bien. Je suis un peu froid. Je sais que ça a bougé. Alors, je vous conseille de venir bien appliquer votre colle, mais aussi de vérifier que ça n'a pas trop... Alors ça, c'est les plis hein, qu'il faut qu'ils se fassent. Et voilà. Franchement, c'est une technique, elle est très simple et elle fonctionne super bien. Alors si votre papier de votre languette est passé, n'est pas très épais, je vous conseille de la doubler pour avoir une meilleure rigidité parce que là on va découvrir, on va mettre notre papier imprimé plus les photos après, ça va faire du poids. Et il se peut, alors à tirer ça ira, mais quand vous allez repousser, s'il y a beaucoup de poids, ça risque de faire ça en fait. Vous voyez là je bloque pour vous montrer, mais ça risque de... Voilà, de faire une vague et du coup le mécanisme ne sera pas top non plus. Donc vous voyez que moi c'est excessivement grand, je fais toujours comme ça. Je vais retailler à ras et juste arrondir mes angles. Voilà, je ne vais pas me casser la tête, je fais deux points de repère. Hop, je tire. Et je viens couper. Là, je viens arrondir mes angles. Et voilà. Du coup, après, vous n'avez plus qu'à décorer avec du papier design. Donc moi je vais regarder ce que j'ai en chute de papier, voir ce que je mixe avec cette page là et puis je viens vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de poser mon papier design. Donc ici voilà, tout simplement j'ai juste ajouté un petit peu de couleur avec la languette. Donc voilà, pour cette page qui est très simple, on en a terminé. On va passer à la suite. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!